Pascal Joiry, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et enquêteur. C'est ça. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre ouvrage et de ces enquêtes que vous avez réalisées. Donc, c'est Secret Défense, le livre noir, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État, sorti aux éditions Max Milo le 10 novembre dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un tel ouvrage et à vous lancer dans une telle enquête sur à peu près 4 ans, vous nous aviez dit? Oui, à peu près 4 ans. C'est un cheminement, en fait, hein, d'une interrogation, petit à petit, qu'est-ce que la démocratie, à force de voir les affaires, la corruption, donc à se demander, voilà, où commence la démocratie, où est finie, à suivre le travail de gens comme Flore Vasseur, qui s'interroge beaucoup là-dessus, à suivre l'affaire Snowden, justement, qui était en lien avec le secret défense. Les gens parlent peu du secret défense dans l'affaire Snowden, mais il est poursuivi au nom du secret défense. L'affaire Assange aussi, et petit à petit un cheminement, et peut-être la chose qui a déclenché vraiment qui a peaufiné le sujet, c'est l'État lui-même en fait qui m'a donné l'idée, par une exposition aux Archives nationales sur le secret de l'État. Et là, ils avaient déclassifié des choses assez variées, que ce soit sur l'affaire des écoutes de l'Élysée à l'époque, mais il y avait d'autres choses plus anciennes, tout ce qui était en rapport avec le secret. Et voilà, ça a confirmé un peu ma connaissance du sujet. Et un jour, il y a eu un eureka, j'ai dit, mais oui, mais voilà, c'est sur ça qu'il faut que j'enquête. Alors, on a l'habitude de voir surtout cette notion de secret défense dans les films, dans la fiction, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que le secret défense? Oh, c'est assez vaste, on va essayer de simplifier. Ça touche à énormément de domaines, tout ce qui peut être d'ordre de la sécurité nationale. Donc on parle du nucléaire, on parle d'armement, on parle aussi d'opérations extérieures et de tout ce qui est services secrets. Déjà, ça fait beaucoup de choses, mais il y a encore plus que ça. L'essentiel du secret défense, c'est vraiment ces choses-là. Mais après, ça peut toucher à d'autres choses. Il faut savoir que dans tous les ministères, il y a un haut fonctionnaire chargé de surveiller les documents classifiés. Hein. Beaucoup dépendent de la culture, hein, puisqu'ils gèrent les archives. Dès qu'elles ne sont pas de la défense ou des renseignements, etc., ou de la diplomatie. C'est pour ça que c'est Roselyne Bachelot qui a, la semaine dernière, annoncé qu'il y allait avoir l'ouverture d'archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie concernant la guerre d'Algérie. Ce n'est pas donc toutes les archives, c'est uniquement celles-ci, hein, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que c'est elle qui l'a annoncé, parce que beaucoup d'archives dépendent de la culture. Mais donc oui, dans tous les ministères, il y en a. C'est un peu intriguant à se demander lesquels il y a à la culture, lesquels il peut y avoir. Bon, à l'agriculture, on peut comprendre que protéger, c'est comme les arrivées d'eau, du terrorisme, protéger donc l'alimentation, c'est pareil. Il y a une espèce d'enjeu d'empoisonnement, de choses comme ça. Bon, on comprend, oui. Après, il y en a d'autres où c'est plus. Voilà, quand c'est dans la santé. Oui, la culture, moi, ça m'interroge pas mal. C'est vrai. Je me demande, ouais, ce qu'il peut y avoir. On est très curieux, d'ailleurs on reviendra sur l'aspect sanitaire, mais pour rester sur le secret défense, pour comprendre un peu les contours, combien de temps peut durer un secret défense? Éternellement. Donc ça dépend en fait. Ils ont depuis là, il y a eu quand même pas mal de monde sur les réseaux qui ont parlé du Conseil de défense et du secret défense, etc. Et il y a le livre aussi qui démarre, qui commence à fonctionner. Et du coup, ils ont fait sur Vie publique, qui donne un peu les textes de loi mis à jour. Ils ont fait deux articles, un pour rappeler un peu les contours du secret, l'autre pour rappeler les délais. Même ça, j'avais appris quelques petites choses parce qu'en fait, j'avais pas tout vu. Et donc, il y avait même des choses de 25 ans. Bon, ce n'est pas les choses les plus importantes. Hein, mais après, donc, il y a des 25 ans, il y a des 50 ans, des 75 ans, des 100 ans et des ad vitam. Ad vitam, avant, c'était uniquement ce qui permet de construire une bombe nucléaire ou une autre bombe ou un arsenal chimique. Enfin, voilà, tout ce qui est hypersensible, ad vitam. Jamais on le montrera. Et puis là, dans la réforme, il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est qu'ils ont élargi ces choses ad vitam à aussi des techniques de renseignement. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que jamais on ne divulguera ce qu'on a pu faire là-bas, ou alors la manière dont on le fait, la manière dont on espionne, ou ad vitam. Alors, de toute façon, entre ad vitam ou 100 ans, bon, voilà, et même 50 ans, ok, peut-être je serai encore en vie, mais bon, ça ne change pas grand-chose au sujet. Je trouve que 50 ans, 100 ans, ad vitam, quelque part, c'est pareil. 25 ans, c'est déjà un peu mieux. Mais pourquoi 25 ans? Après, si c'est si court, on pourrait se demander est-ce qu'il y a vraiment besoin. Donc au final, ça se mord la queue. C'est-à-dire,
n'y a pas un moment où c'est justifié. C'est où on ne le fait pas, où c'est très justifié, on le fait. Mais je ne crois pas que la population peut comprendre que certaines choses soient cachées sur la bombe nucléaire. Ok. Voilà. Après, faudrait que voilà, les gens qui ont lu le livre, j'aimerais bien voir s'ils comprennent qu'on leur cache pendant 50 ans ou 100 ans. Alors, vous nous parlez de cette réforme qui a changé quelques éléments par rapport au secret défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce qu'elle s'est passée, cette réforme, et qu'est-ce qu'elle a modifié ? Alors, il y a un peu moins d'un an qu'elle a été entérinée. Ça a duré à peu près un an de travailler les textes, les différentes choses qui allaient être changées. Les choses principales qui ont été changées. Donc, avant, il y avait trois niveaux de classification. Donc, le plus sensible, qui ne va même pas aujourd'hui dans le numérique, hein, ça reste sur du papier, c'est le très secret défense. Avant, il s'appelait très secret défense. Ensuite, secret défense. Et ensuite, confidentiel défense. Voilà, donc, le confidentiel défense est donc le moins sensible et l'autre le plus sensible. Il a été enlevé, le confidentiel défense n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on classifie beaucoup de choses, ça coûte de l'argent parce que c'est du travail, il faut des gens qui classifient, qui déclassifient, et c'est assez complexe. Parce que comme c'est sensible, on doit faire attention, et donc ça prend du temps, etc. Et ils se sont dit, est-ce qu'il y a besoin autant ? Et puis en plus, il fallait s'aligner un peu sur les partenaires de l'OTAN, etc., qui avaient peut-être que deux niveaux. Bon. Donc ça a été enlevé. C'est pas la chose le plus voilà. Et défense a été enlevée. Donc maintenant c'est secret et très secret. Pourquoi ? Bah on peut se douter que parce que ça ne touche pas qu'à la défense. Donc des fois il devait se dire c'est bizarre. On tamponne secret défense quelque chose que pas vraiment de la défense. Donc à force de ressentir ça, je pense qu'ils se sont dit bon le plus cohérent ce serait d'enlever défense. Effectivement là quand on est en conseil de défense sanitaire, on a du secret défense. Tout le monde dit, enfin beaucoup de gens, que c'est pas vraiment de la défense, c'est pas vraiment de la guerre. Donc voilà, le fait qu'ils aient enlevé défense, c'est quand même plus simple maintenant. Non, c'est juste secret. Voilà. Il n'y a plus besoin de justifier, c'est de la guerre, c'est quand même... Qui peut décréter ce secret défense ? Enfin, ce secret ? Décréter, oui. Qui peut le décider ? Il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui décident les règles, et il y a ceux qui ensuite les appliquent. Alors, le poste de commandement, c'est le SGDSN, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Et un service très important, très sensible, dont on dépend beaucoup au niveau de toute la sécurité du pays, pourtant très peu de gens le connaissent. Il est dans les Invalides et sous les Invalides, un milieu, un endroit très touristique et pour un lieu aussi sensible. C'est ça qui est drôle, mais voilà, c'est eux qui dirigent tout ça. Ils sont sous l'ordre du Premier ministre, mais ils sont un peu indépendants quand même. C'est-à-dire que c'est pas, ça change le Premier ministre, tout le monde part. Donc il y a beaucoup qui restent, donc c'est quand même un organe un peu indépendant. Ensuite, chaque ministère gère son secret défense, c'est-à-dire qu'il a le droit de classifier des pièces et c'est lui qui pourra les déclassifier, personne d'autre. Ce n'est pas le Premier ministre qui arrive, je déclassifie ce que je veux, ni un président, comme j'ai pu dire chez un confrère, effectivement. Ce n'est pas parce qu'on est Premier ministre ou président qu'on déclassifie ce qu'on a envie. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un système que même eux doivent respecter. Donc, un ministère classifié, lui a le droit de déclassifier. Ensuite, il y a une commission. Quand quelqu'un, imaginons que le président, par exemple, il a le droit de demander, par contre, la levée. Il n'a pas le droit de lever lui-même, mais il a le droit de demander. Comme un juge peut demander, comme un président d'Assemblée nationale pourrait demander la levée d'un secret. Et là, elle peut être ou acceptée. Donc ensuite, il y a la commission du secret, qui dépend du SGDSN. Donc la commission du secret décrète ou oui entièrement, ça n'arrive jamais, ou oui partiellement, ça arrive. Ça dépend. En général, quand c'est partiel, le plus intéressant n'est pas déclassifié, évidemment. Ou non, totalement, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est-à-dire que l'organisme le plus important dans ce secret, c'est le SGDSN. Le SGDSN, oui. En même temps, ce n'est pas lui non plus qui prendrait la décision non plus de déclassifier. D'accord. C'est un peu personne, en fait. C'est un peu tout le monde et un peu personne. C'est ça. C'est les méthodes qui permettent de déresponsabiliser tout le monde. C'est pas moi, c'est lui. Et l'autre dit, c'est pas moi, c'est lui. Et en fait, c'est personne. Donc le SGDSN, il est là pour faire les règles et les faire appliquer. Mais c'est pas lui qui décide, on va tout lever. Effectivement, que si un Premier ministre ou un président demande, ça peut être suivi. Mais si vraiment on avait tout d'un coup un président un peu trop rebelle, ou je sais pas, ben, ça passerait pas. Ou alors il aurait fallu qu'il change toutes les équipes, parce que ces équipes-là, elles ont pas l'habitude de lever les secrets comme ça. D'accord. Si c'est caché, c'est pas pour rien. C'est pas pour tout lever d'un coup. Alors là, pour en revenir un petit peu à l'actualité que nous vivons depuis un an et demi avec l'épidémie de coronavirus, on a vu apparaître dans cette crise sanitaire ce fameux Conseil de défense.
Est-ce que c'est un organe qui fait que du secret? Est-ce que les décisions qu'il prend ne sont que secrètes? Est-ce que c'est traditionnel d'agir comme cela dans une épidémie? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? À partir du moment où c'est un conseil de défense, tout ce qui est dit et écrit dedans est classifié. 50 ans, 75 ans, 100 ans, ça dépend après de la classification. Il y a la possibilité qu'après cette pandémie, ça soit levé. Mais moi qui sors de ce livre, je vois un peu l'habitude, en général, c'est pas levé. Maintenant, c'est vrai que c'est différent comme cas de figure. On ne sait jamais. Hein, je suis obligé de dire ça pour préciser quand même. On ne sait jamais. Mais moi, je n'y crois pas. Mais après, on ne sait jamais. Donc effectivement, à partir du moment où c'est ce statut de conseil de défense, c'est-à-dire qu'ils ont agi comme si c'était la guerre. À partir du moment où c'est la guerre, il y a du secret. Parce que quand c'est la guerre, on va faire la guerre à quelqu'un. Bon, on ne dit pas par où on passe, on ne dit pas quand, on ne dit pas avec quelle arme, on ne dit pas avec qui. C'est la guerre. Donc c'est l'effet de surprise. Bon ben voilà, ils ont fait comme si c'était une guerre. Effet de surprise. Contre qui? Contre un virus. Est-ce que le virus a besoin de l'effet surprise? Non. Et c'est là que c'est la procédure en fait qui marche toute seule. Ils n'ont pas réfléchi, est-ce qu'on est dans un cas de figure où il ne faudrait pas de secret? Ou alors, c'est encore pire, ils se sont dit, nos décisions vont être tellement importantes, on va peut-être sous-peser des fois des vies contre d'autres, on ne peut pas le dire publiquement. C'est encore pire. Alors, ça veut dire que, de manière juridique, ils ne sont pas responsables? Ah non. Bah, à moins que tout soit levé, s'il y a une enquête et qu'on réclame les pièces et qu'elles sont refusées, ce qui arrive très souvent, voilà. Dans le livre, ça arrive régulièrement, c'est un peu un système. Effectivement, ça empêche de juger. En tout cas, quand je ramène les choses à mon livre, vous verrez que tout le long, je parle au potentiel lecteur, tout le long, les gens ne sont pas jugés grâce au secret. Donc effectivement, donc là maintenant on revient au conseil de défense. Même sans secret défense, comme j'ai dit chez un confrère, il pourrait ne pas être jugé, ou alors voilà, petit jugement. Mais là, en plus, s'il y avait quelque chose d'important, parce que c'est pas fini, on est encore en plein dedans quand même, hein, on pensait que c'était fini, à chaque fois ça repart, imaginons qu'il y a quelque chose de très grave. Effectivement, ce secret empêcherait de savoir. S'il n'est pas levé, il empêcherait de juger, oui, tout à fait. C'est le président de la République qui décide de constituer ce conseil et qui peut le destituer, enfin, en tout cas, Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de faire un conseil de défense? D'après vos enquêtes... Il faudrait vérifier, mais de toute façon, c'est ou lui, ou la procédure. Mais dans tous les cas, même si c'est lui, c'est qu'il suit une procédure. C'est ça qui est... En fait, ou la procédure s'enclenche toute seule, comme s'il y a un énorme attentat. C'est pas un tel ou un tel qui décide. C'est automatique. Il y a un état d'urgence. Ben là, est-ce que c'est pareil? C'est un peu pareil, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que dans tous les cas, même si c'est lui qui a décidé parce qu'il a suivi une procédure. Et que de toute façon, c'est la procédure qu'on remet en cause, en fait. Et ça ne veut pas dire que ça enlève, lui, sa responsabilité. Parce qu'il aurait pu très bien dire, il est quand même président, il ne peut pas dire « je suis victime des procédures », non. Il pourrait très bien dire si ça ne lui va pas. Ou alors, il pourrait très bien dire « non, ok, habituellement, on aurait dû faire ça, mais non, vous ne vous rendez pas compte, on ne va pas faire du secret sur le sanitaire, alors que déjà, on a de la défiance, des millions de gens. » Il aurait pu, ça. Oui, bien sûr, en tant que président, il aurait pu refuser le conseil de défense, même si c'est la procédure. C'est-à-dire que durant le travail d'un conseil de défense, le Parlement n'a pas son mot à dire, les institutions n'ont pas leur mot à dire. Non. En fait, dans notre Constitution, je n'ai pas les numéros d'articles, mais il suffit de vérifier ou de demander à quelqu'un qui connaît, il y a des articles qui disent précisément que les affaires étrangères et la défense ne dépendront que de l'exécutif. Ce qui signifie, en cas de guerre, de vente d'armes, d'opérations extérieures, etc., on décidera sans le Parlement et sans le Sénat, juste l'exécutif. Et là, il faut que ça ne pareille, à partir du moment où ces conseils de défense, qu'ils ont pris ça comme une guerre, alors là, ils font tout un cinéma hein, pour montrer, oui, regardez, amenez les caméras, regardez, on parle avec les parlementaires, allez, regardez, on parle avec les sénateurs. Ils veulent montrer qu'ils parlent. Ok, c'est bien de parler, surtout pour faire un pass vaccinal, etc. Donc c'est quand même heureusement qu'ils parlent. N'empêche que les grandes décisions depuis le début ont été prises en secret. Bon, donc ils peuvent parler, mais ça n'empêche que c'est là. Et s'ils nous disent qu'il n'y a pas besoin du secret, alors qu'ils arrêtent de le faire. Maintenant, c'est trop tard. Il y en a déjà eu combien de réunions? Beaucoup. Et vous avez quelques exemples d'informations concernant ce conseil de défense dans cette crise sanitaire qui ont été classées secret défense et qui ont pu, ralentir
le déploiement de certaines informations, la compréhension Il y a deux de choses qui me l'opinion. viennent. Après, je pourrais dire ce que je pense qu'ils disent globalement au Conseil de défense, mais là, déjà, les choses classifiées, pas que en Conseil de défense, mais en rapport avec la pandémie. Les premiers militaires qui sont partis, français, pardon, qui sont partis en Chine observer le virus l'ont ramené à Creil. Ça, on le sait. Et quand la presse a demandé, pour confirmer, même si on le savait, puisque les militaires se vantaient eux-mêmes d'être partis sur la base de Creil et tout ça, sur Facebook même. Moi, c'est comme ça que j'ai corroboré l'info. Donc ça, on le sait. Quand un journaliste de Libé a demandé, on lui a dit secret défense. Donc on sait non seulement qu'ils l'ont fait, mais on sait qu'ils le cachent par le secret. Mais c'était évident, à partir du moment où il faut une erreur, mettre du secret en général. C'est presque tout le temps. Donc ça, c'est une chose. On sait que sur les contrats, faut que j'arrive, je vais me repencher parce qu'on me le demande beaucoup pour savoir exactement, mais c'est un travail pas facile et secret, mais on sait qu'il y a une part couverte par le secret défense et une part par le secret des affaires. Dans les contrats avec Les les labos contrats, pardon, pharmaceutiques. avec les labos pour les vaccins. Voilà. Comme à l'époque, il y avait eu déjà du secret défense sur les contrats pour les virus contre le H1N1. Voilà, moi, c'était avant la pandémie, j'avais déjà un petit passage santé dans mon livre. J'en parle, je parle aussi évidemment depuis du Conseil de défense, mais j'avais déjà cet aspect, je savais qu'il y aurait un petit moment santé. Je dis, ah, ok, bon, bah maintenant c'est encore plus évidemment. Donc, sur les contrats, sur les cabinets américains et autres, comme McKinsey, Palantir, et d'autres sûrement, on ne sait même pas le nom, mais déjà, rien que Palantir, moi ça me choque pas mal. Ça, on sait qu'il y a des choses, il y a des choses classifiées. Je veux dire, Palantir se vante eux-mêmes d'avoir aidé, assisté les États sur la pandémie dans 10 pays. Ils disent, il l'a dit sur BFM Business, le patron de Palantir France, il a dit deux publics et 8 non-publics. Donc les deux publics, on sait que c'est Angleterre, États-Unis. Donc là, on le sait. Palantir, donc une start-up proche de la CIA qui vaut des milliards, avec des anciens espions, s'occupe des données, des datas sur la pandémie. Voilà. Et donc les 8 autres, voilà, ça va être la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, on en est sûr, quoi. Moi, je l'affirme. Juste pour faire une petite parenthèse sur Palantir, qu'est-ce que cette start-up? Alors, Palantir, c'est une start-up spécialisée, américaine, spécialisée dans le big data. Rendre intelligible le big data. Palantir, c'est le nom de la pierre dans le Seigneur des Anneaux qui lit dans l'avenir. Donc, ils estiment pouvoir lire dans l'avenir avec les données. Ce qui peut être vrai dans certains cas. La météo, en observant les données, on arrive à devancer la météo du lendemain, etc. Bah, sur ce même principe, dans plein de domaines, on peut faire pareil. Là, par exemple, on peut voir que Palantir a vachement bien réussi le déploiement aux États-Unis, en Angleterre et en France. Donc, non. Donc là, pour devenir sérieux, eux, c'est très sérieux à la base. Ils ont bossé pour la NSA, pour différents services de police américains, différents services d'armée. Et puis maintenant, ils se diversifient. Si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils s'occupent de tout, de santé. Ils ont bossé en France d'abord pour Carrefour, pour faire gagner des gains de productivité. Au bout d'un an, ils ont arrêté parce que c'était hyper cher. Airbus, ils ont signé, ils ont travaillé un peu. Hop, ils ont débauché le numéro 2, ils en ont fait leur patron France, Fabrice Prégier, si je n'écorche pas son nom. Ensuite, il y a eu un scandale, c'est au moment où ils ont signé avec la DGSI. Parce que quand même, on a dit nos données sensibles. La DGSI qui est en France le service Les de services secrets intérieurs intérieur. français qui ont signé avec Palantir. Sous prétexte qu'on n'aurait pas aujourd'hui la technologie et le savoir-faire et les moyens pour fabriquer ça. Mais ça vous inquiète? Ah, bien sûr, mais en même temps, il y a une logique. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on a choisi d'être dans l'OTAN et avec un allié américain hyper puissant, on est forcément sous son aile. Donc en fait, il nous dit tu vas là, on va là. C'est quand même pas ça, mais presque. Donc je ne suis pas étonné, par contre, je regrette, bien sûr, c'est un problème. C'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on soit encore plus dépendant des Américains, qu'ils soient au courant de tout ce qu'on fait, des infos les plus sensibles, qu'ils s'en servent contre nous, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'alliés. On sait qu'ils n'ont pas hésité à nous voler des marchés en nous espionnant, et à plein d'autres pays. Bon, donc voilà, si nous, après, on dit tenez, tenez, prenez même le plus sensible, bon, bah, pourquoi ils se gêneraient? Mais à la base, là, quand j'avais été invité à m'exprimer sur Palantir, c'est parce que là, ils viennent de s'installer à Station F. Station F, c'est le plus gros, c'est la plus grosse pépinière de start-up française. Qui situe où?
à Paris 13e, ça appartient à Xavier Niel. Et en fait, il y en a 1000 des startups à l'intérieur, et dont des startups de pointe qui demain pourraient être nos meilleures startups. Comment vous savez que Palantir est là-bas? Ah ben, c'est public. C'est public, en fait, il y a eu... c'est public, et donc ils l'ont annoncé là. Mais ils sont là-bas, c'est-à-dire en tant que startup ou en tant que... Pour faire du mentorat, de l'accompagnement et de l'investissement. Donc on repère les meilleurs et on investit, puis on les prend. Limite, elles sont à nous, ou alors si elles ne sont pas à nous, bah, on peut au moins donner notre avis, notre orientation et tout ça. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne chose si Palantir était indépendant et avec des intentions, on va dire, publiques. Mais alors vous nous appreniez que Palantir est lié à la CIA. Bah oui, à la base, c'est des anciens de la NSA et de la CIA. Ils en ont joué, c'est comme ça qu'ils ont fait leur réputation, hein, sur la traque à Ben Laden et dans l'affaire Daniel Pearl, où ils ont dû, à mon avis, réussir pareil à identifier où étaient les coupables. Donc là, c'est grâce à eux qu'ils auraient trouvé Ben Laden. Voilà, ils ont fait leur réputation comme ça. Donc il ne faut pas oublier, on passe de ça à la pandémie quand même. De l'espionnage de Ben Laden à on va vous aider à gérer vos données de santé. C'est trouble. Bah, moi, ça passe pas, hein, personnellement. C'est quoi votre lien avec la CIA, la NSA? Dans le film Snowden de Oliver Stone, à un moment, on le voit qu'ils sont à la NSA. Et là, il montre à Snowden, qui est un débutant, un peu, il dit, viens voir. Oui, t'es habilité, si, vas-y, viens voir. Il tape un nom, et là, c'est comme un Google, mais qui cherche dans la vie privée des gens. Donc, il y a tout. Il peut même allumer la webcam de la personne, tout. Il y a ses messages privés, Twitter, Gmail, Facebook, toute sa vie. Il y a toute sa vie. Ben ça, l'outil, c'est Palantir. C'est un des outils principaux de la NSA. Ils sont impliqués aussi dans les élections. Ils influencent les élections. Le Brexit, Cambridge Analytica, énorme affaire. Quel est l'outil numéro 1 de Cambridge Analytica? Palantir. On peut reparler vite fait de cette affaire qui est liée à Facebook aussi. Vous pouvez nous rappeler les faits? Ben, en fait, c'est un cabinet d'influence, Cambridge Analytica, qui a voulu influencer les élections du Brexit, qui a plus ou moins réussi. En tout cas, ça, voilà. Comment ils ont fait? Ils ont pris plein de données, et ils ont cherché, ils ont fait de l'analyse avec des spécialistes, etc. C'est vraiment pas simple, hein, comme ils font les sondages et tout. Et ils cherchent, OK, où on peut jouer? Sur quel électorat il faut qu'on tape? Avec quel message? Et ils ont matraqué, mais l'outil qui a permis d'analyser tout ça avec les gens, avec les goûts des gens sur Facebook et tout ça, c'est Palantir. Et après, eux, ils analysent pour en faire de l'influence. Voilà, certains analysent pour choper un terroriste, d'autres l'analysent pour jouer sur une élection. S'ils étaient impliqués que là-dedans, non, ils sont impliqués dans celle de Trump, ils sont impliqués dans les élections en Inde, en Afrique. C'est un énorme sujet, je vais peut-être en faire un livre. Ce sera l'objet d'une prochaine interview. Alors, ce qu'on apprenait de ce que vous nous disiez, et qui donc est public, alors pour McKinsey, on savait, effectivement, un cabinet de consulting qui est impliqué... auprès du gouvernement français, dans la gestion sanitaire, en communication, en consultation, dont on ne sait pas précisément ce qu'ils font. Palantir est une autre société impliquée aussi dans cette gestion sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font auprès du gouvernement français? Alors, j'avais dit déjà qu'on était sûr qu'ils bossaient pour les États-Unis et l'Angleterre? Je ne sais plus. Oui. Si je l'avais dit déjà. Tout à fait. Alors, en fait, il y a des articles qui relatent exactement ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, ils ont fait la même chose chez nous. Donc, en fait, chez nous, c'est un peu secret. C'est vraiment tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu, c'est le déploiement des tests, le déploiement des vaccins, à quel rythme il faut le faire, par où il faut commencer. Pour analyser tout ça, les lits d'hôpitaux, où ça va coincer, où on va manquer de réa, il faut analyser les données. Ça ne paraît pas compliqué à faire. Je pensais qu'on avait des cabinets pour le faire, et d'ailleurs, on en a sûrement, en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais eux doivent dire que c'est tellement complexe, et l'enjeu est tellement sensible, qu'on a fait appel aux meilleurs. Heureusement qu'il y a une commission d'enquête en ce moment au Sénat pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, et combien, et pourquoi, et comment, parce qu'on sait que c'est des millions. Ils ont des réponses là-dessus, la commission d'enquête? Là, ça a commencé, on aura mi-mars le résultat, donc ça va mettre un peu de temps. Juste avant la présidentielle. Ouais, non, mais il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que si... il est possible qu'il y ait du secret. Hein. Moi, ma théorie, alors là, voilà, donc c'est que dans les choses classifiées, il y a le fait que Palantir a géré la pandémie avec l'État français, pas qu'en France, pour 10 États, mais on va parler de la France, et que ça fait partie des choses classifiées. Pourquoi? Ça fout mal d'arriver et de dire, bon, vu l'expertise que nous a donné le cabinet proche de la CIA, tout se confinait, hop, allez, au dodo. Non, ça fait mieux de dire, d'après nos médecins français, ça va être la panique, on va vous confiner gentiment. Ça fait mieux.
ça passerait pas de dire Palantir nous a fait l'expertise. C'est normal que ce soit secret. Ça passerait pas. C'est possible qu'il y ait des représentants de ces organismes, hein, Palantir ou McKinsey, dans les conseils de défense. Est-ce que ça va jusque-là? Je pense plutôt qu'ils les ont vus avant. Il paraît, ce matin j'ai vu passer que le conseil scientifique était classifié. J'y aurais pas cru si jamais c'était pas un sénateur ou un député, pardon, des Républicains qui l'avait dit. Le fait que ce soit lui, je me dis ok, je dois vérifier, je dois creuser, ça a l'air d'être peut-être vrai. Ça serait pas étonnant, puisque c'est là que sont sous-pesées les grandes décisions. Donc s'ils estiment qu'il y a des choses qui sont dures à dire en public parce qu'ils ont sous-pesé entre les morts ou voilà. Palantir, je pense que Non, peut-être pas dans le Conseil de défense, par contre, classifié du même ordre que le Conseil scientifique. Parce que quelque part, Conseil scientifique, il y a les médecins. Mais les médecins, ils ne savent pas calculer sur toute la France les données. Qui va calculer les données sur toute la France? Une machine. Quelle machine? Quel logiciel? On prend la meilleure. Pas Palantir. Donc, Conseil scientifique plutôt, je dirais. Mmh. Mais après, là, je ne peux pas m'avancer sur tout. Hein. Ça, du coup, ça nous rend dépendants de ces sociétés et de leurs technologies? Complètement. Complètement. D'autant plus que même si une initiative là est en route en France pour faire l'équivalent, j'ai pas les dessous, faudrait que je creuse encore, j'ai pas fini le travail sur ce sujet, et loin de là, mais ils vont mettre des bâtons dans les roues pour pas que ça se fasse. C'est quoi l'initiative? C'est Thales et Atos, c'est ça? J'inverse des fois les... Et leur projet s'appelle ATA, c'est pour ça que je mélange les lettres. ATA, c'est l'équivalent d'un Palantir français. C'est en route. Certains experts qui se connaissent beaucoup mieux que moi disent que ça n'arrivera jamais à terme. Et d'autres que ça ne sera pas suffisant, quoi, qu'on n'a pas la puissance de frappe. Bon, certains pensent ça. Moi, je ne sais pas si déjà on en a besoin et je ne sais pas si on saurait le faire. Ça, je ne peux pas m'exprimer assez. Mais ce qui est sûr, c'est que je me doute qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues pour pas que ça se fasse. Parce que, voilà. Il y aurait trop d'intérêt en jeu? Les gens ne se rendent pas compte la plupart qu'aujourd'hui, la data, c'est le nouveau pétrole. C'est-à-dire qu'à un moment où on a trouvé le pétrole, on savait que tout allait fonctionner comme ça, etc., que ça allait faire énormément d'argent. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir des petits pays qui sont devenus des pays ultra riches. Et ben aujourd'hui, c'est la data. Un petit pays qui réussirait à maîtriser la data, il pourrait être ultra riche en partant de rien. Sauf que là, bon, ceux qui sont à la pointe, ce n'est pas des petits pays. Bon, la Chine, les États-Unis, principalement, qui sont à la pointe. Donc la data, c'est vraiment un pétrole. Donc ça peut s'appliquer à tout, à tous les domaines. On peut optimiser, échanger, c'est calculer à l'avance. C'est un enjeu énorme. Ouais. C'est le cœur de l'intelligence artificielle. Et les spécialistes disent que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera les autres, sur tous les sujets. Militaire, production. Faut imaginer par exemple Amazon, qui est en train de manger le monde. Comment ils arrivent à calculer qu'ils vont gagner deux fractions de seconde là pour livrer plus tôt, etc. Et c'est comme ça qu'ils mangent tout le monde. Il faut imaginer que ça peut s'appliquer à tous les domaines. Alors oui, ça fait, on dirait un film d'horreur, c'est vrai, mais malheureusement... Enfin, Big Brother, en fait. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Est-ce que vous pensez que tout ce qui concerne la surveillance des populations avec la technologie chinoise est en train de se déployer un peu partout? Je pense qu'on n'a pas besoin des Chinois. Les Américains sont les premiers à espionner le monde. On parle beaucoup des Chinois, mais... On est en sandwich entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois ne font que nous imiter depuis le début. Ils nous piquaient d'ailleurs les recettes et les... Voilà. Donc oui, ils imitent les Américains, ok. Mais qui espionne le monde? Les Américains. Qui a volé des contrats au monde entier? Les Américains, pas les Chinois. Les Chinois ont volé les plans pour imiter nos machines et tout. Ok. Les Américains, eux, ont piqué des contrats entiers, ont fait main basse sur des pays presque. Enfin bon... Donc, on est pris entre tout ça et la France veut faire pareil et veut espionner aussi. Que pèse la France dans ce jeu? Ouais, ça, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il y avait la volonté et tout? C'est dur à dire. Pour le moment, on a fait le choix, en tout cas, d'être avec les Américains, d'être contre les Chinois, contre les Russes. Et donc, on est avec ceux qui dominent. Et donc, ça nous donne certains avantages. Mais en même temps... On se prend nos propres jeux, ce qui nous domine jusqu'à nous piquer notre Alstom, etc. Pour revenir à votre ouvrage, est-ce qu'il y a des affaires qui sortent du lot? Quels sont les secrets d'État les plus intéressants, les plus croustillants que vous avez pu découvrir ou les plus alarmants? C'est dur de choisir.
Et moi, je pense aux victimes comme je les fréquente. C'est dur de toujours, à chaque fois qu'on me demande, choisissez-en une, je pense toujours aux victimes. C'est dur de choisir. Elles n'ont pas toutes la même gravité, elles ne cachent pas les mêmes dérives et les mêmes fonctionnements. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Les plus graves, des fois, sont les plus connues. On sait que le Rwanda, le fait d'avoir donné des armes avant, pendant et après le génocide, c'est une chose, voilà, horrible, mais connue, avec des petits pas en avant, des commissions d'enquête, des choses dont on sait. Ça, c'est très grave. En ordre de gravité, si on voulait le prendre par là, la caravelle Ajaccio-Nice, quand même, un avion qui explose, qui reçoit un missile, et eux disent que c'est un accident. Celle-ci, elle est grave, mais comme c'était en 68, bon, aujourd'hui, les gens... Bon, okay. Mais il faut savoir que c'est toujours présent, non seulement parce que c'est pas déclassifié, mais aussi parce que le même système existe. Demain, un avion se fait abattre par un missile, ils sont capables de nous dire que c'est un accident. Ça change tout quand on connaît quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, bon, on voit aux news, un avion s'est fait abattre, ok, voilà. Quand on connaît quelqu'un, déjà de rencontrer les victimes, on se rend compte de ce que ça fait. C'est que tant qu'ils n'ont pas la vérité, ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Tous. Peu importe les affaires, très différentes les unes des autres. Je n'ai pas tous rencontré, mais beaucoup. Impossible de faire leur deuil. Donc il faut penser à ça. Donc celle-là, la caravelle Ajaccio-Nice, elle me scandalise, surtout d'imaginer que ça peut réarriver demain. Il y en a beaucoup qui sont. Elles interpellent toutes. Cosmos, l'affaire Cosmos, vendre un système d'espionnage à Bachar al-Assad pour traquer ses opposants. Ça rappelle fortement ce qui vient de sortir, le dossier Disclose, où on a vendu à l'Égypte la même chose, en gros, des outils d'espionnage pour traquer ses opposants. Soi-disant, on lui a vendu parce qu'il allait traquer des terroristes. Finalement, il traquait des opposants ou des petits trafiquants, mais pas des terroristes. Le problème, c'est qu'ils envoyaient des missiles sur les petits trafiquants. Bon. Donc voilà, des affaires comme ça, il y en a beaucoup. Tout ce qui est l'armement, vraiment, c'est un vrai sujet. Et les outils de surveillance vont dedans. Après, il y a des assassinats ciblés. Il y en a quand même plusieurs. Voilà, il y a Boulin, c'est quand même un ministre, cette affaire. Même si elle est connue, elle n'est toujours pas déclassifiée. Il y a une complicité des gens qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Tant qu'ils n'ont pas déclassifié, ils ont une complicité. Avec ce qu'ils... Ils ne peuvent pas dire « c'est pas moi ». Ben non, parce que la vérité est là, ils pourraient vouloir la faire sortir, même si j'ai dit que c'était pas facile. Quand même, si toute une classe politique, si tout un gouvernement voulait, ben non seulement réécrire la Constitution, mais aussi déclassifier des pièces, voilà, hein, si vraiment tout le Premier ministre est d'accord avec le Président, avec la ministre de la Défense, etc., ouais. Enfin, je veux dire... Ça pourrait se faire. Bah oui, bah sinon ça sert à quoi d'être au gouvernement si, sinon c'est la théorie complotiste, quelqu'un d'autre dirige à ma place, si eux n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Si vraiment tous ils mettaient la pression, oui, les autres sont là pour leur... Rapidement, l'affaire Boulin, en deux, trois phrases, elle se résume comment ? Un ministre du Travail qui allait devenir Premier ministre, qu'on dit suicidé dans un lac à Rambouillet, sous Valéry Giscard d'Estaing, pardon, et qui en fait s'est fait assassiner. La première preuve la plus simple pour dire que c'est un assassinat, c'est que si c'était un suicide, pourquoi les informations, les dossiers seraient classifiés secret défense ? Pourquoi ? Alors eux, ils vont dire, il y a d'autres raisons. Oui, Non, tout simplement que ce ne serait pas classifié si ce n'était pas un assassinat. En plus, on a une liste longue comme ça, entre décélés qui disparaissent, l'autopsie refusée, ensuite carrément ils ont fait disparaître des organes. C'est horrible, les détails, désolé. Pour pas qu'on puisse prouver que c'était pas une noyade et tout ça, que c'était pas un suicide, pas de barbiturique dans le sang, reconstitution refusée, ensuite elle fait la reconstitution elle-même, il y a à peine 2 ans. Et elle se rend compte que le corps, après la mort, a été déplacé de 200 mètres. C'est bizarre pour un mort. Bon. C'est assez troublant. Et il y avait derrière ce personnage, il y avait quoi en fait ? Qu'est-ce qui aurait pu justifier un assassinat ? Les théories, c'est que ce soit entre clans politiques, mais aussi qu'il était très intègre, il était au courant de beaucoup de choses, et qu'il était peut-être prêt à balancer, que ce soit sur des financements de partis politiques, des rétrocommissions, des ventes d'armes. Les gens sont au courant de choses, des fois, s'ils se mettent à parler un peu trop, ça peut être une des raisons. Après, moi, c'est vrai que je ne peux pas amener le fond de chaque affaire. Je me suis dit, il y a déjà assez à faire en montrant ces affaires, en montrant où intervient le secret, et en faisant... Il y a aussi une vingtaine d'entretiens, s'exprimer les gens sur les différents aspects. Après, il y en a quand même où on est presque sûr. De là, pouvoir le prouver, c'est très compliqué. Et on se rend compte que même quand on le prouve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même quand on a sur l'affaire Boulin des enquêtes qui font 600 pages, des documentaires, on a tout, sur Max Klanek, qu'on entend longuement dans le livre,
qui a enquêté sur. C'est un ancien magistrat, il a enquêté sur deux affaires, sur la caravelle Ajaccionis et sur la maison des têtes. Il a apporté les preuves, les dérives, les documents qui disparaissent, les mensonges qu'on lui a faits. Il donne tout en détail, il a fait deux bouquins comme ça. C'est un juge, il est méticuleux. Ça ne change rien, même qu'on a tout, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais prouver par A plus B au point que. Enfin, si, on peut. Est-ce que ce qui manque, c'est pas la caisse de résonance médiatique à ces enquêtes ? Ça va aider, mais certaines en ont eu, des caisses de résonance. C'est ça qui est bizarre. Non, mais le Rwanda, on le sait qu'on a fourni les armes, mais qu'est-ce que ça change ? Rien. On s'habitue un peu à ce que les gens s'habituent ou... Il y a trop d'affaires, on ne sait pas par où attraper le truc. Là, je trouve que ça donne justement un angle très précis. C'est-à-dire que, ok, regardez, là c'est très précis, il n'y en a pas 500 des affaires, elles sont anciennes mais elles sont toujours d'actualité, c'est l'angle du secret. Tapons déjà sur, voilà. Des fois on ne sait pas par où attraper le truc. Moi par exemple, je connaissais ces affaires, mais je n'avais pas fait gaffe au secret. Parce qu'il y a des affaires où ils s'arrêtent à peine dessus en fait. Ils vont nous raconter toute l'affaire, comment ça s'est passé, qui c'était, ce qu'il a fait ce jour-là, comment s'est passée l'enquête, qui est soupçonné. Mais on va dire, oui, mais le secret empêche. Si, des fois ils vont le dire, hein, mais des fois non. C'est-à-dire là, c'était vraiment pour revenir sur ces affaires. Déjà, elles ne sont pas toutes connues du tout, mais sous l'angle du secret. Et ensuite, il y a un entretien qui, des fois, éclaire cette affaire, des fois, éclaire le secret en général. Ça part un peu, il y a un petit pas de côté. On sent bien, du coup, que ce n'est pas systématiquement la raison d'État qui prime dans cette classification, dans ces classifications. Si on appelle raison d'État dans une juste définition, qu'on pourrait penser défendre l'État, vraiment la France, machin, non. Mais si on estime que... Mais où elle commence et où elle finit ? Si on estime que la puissance de l'État, c'est de vendre des canons en ce moment à l'Arabie Saoudite qui tue des Yéménites, moi je pense que c'est le contraire de la puissance. Mais eux, ils pensent que c'est la puissance. Pareil avec l'Égypte, pareil avec la Syrie, pareil. On a vendu à une cinquantaine de pays dans le monde des armes. Cinquantaine. Je voulais faire plus de pages sur ça, mais après j'ai vu qu'il y avait plein de livres sur les armes et tout ça. Je me suis dit, bon, fais moins. J'ai cité quelques affaires de vente d'armes. On a un gros vendeur d'armes, la France ? Bah, eux, ils vont vous dire, ouais, par rapport à eux, non. Moi, je dis, voilà, une cinquantaine. Et en plus, ça sert à rien de dire à chaque fois l'autre, parce que eux, c'est leur argument. C'est-à-dire, eux, ils vont répondre, si on ne le vend pas, quelqu'un d'autre le vend. Donc, autant le vendre. Mais le petit jeune qui vend la merde, qui vend du crack, s'il nous dit, bah ouais, mais si c'est pas moi, un autre va le faire. Mais on lui dit, mais c'est quoi cet argument à la con ? Et on aura raison. Mais eux, ils utilisent, et texto, hein, plusieurs, hein, cet argument. Moi, je suis pas d'accord. Pour justement avoir un regard sur ces affaires quand elles ne sont pas déclassifiées et quand on ne peut pas forcément enquêter, il y en a qui ont fait fuiter des documents. On se rappelle tous de l'affaire Wikileaks et Julian Assange, où on a pu accéder à des câbles diplomatiques, des choses totalement secrètes qui ont levé le voile sur des situations diplomatiques et géopolitiques qu'on ne soupçonnait pas, qui parfois aussi pour certains ont pu dire que c'était très dangereux aussi pour la sûreté de certaines choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Est-ce que c'est parce que finalement on est dans le flou au niveau de international sur des affaires ou nationales que certaines initiatives comme ça se déroulent, que des citoyens décident de hacker ou d'essayer de centraliser des documents et de les faire fuiter sans réfléchir ou en tout cas sans les filtrer ? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative et où en est l'affaire Wikileaks, Julian Assange ? Est-ce que vous êtes un peu intéressé à ça ? Ah oui, je me suis beaucoup intéressé à cette affaire depuis assez longtemps. On ne sait pas tout, là aussi, sur cette affaire. Moi, ce que j'ai affirmé l'autre jour chez un confrère, c'est que ceux qui attaquent Assange, ils disent qu'à cause de lui, de ses révélations non triées, il y a eu des victimes, nombreuses victimes, plein de morts, allez les écouter. On est sûr, on sait comment ça marche, on voit bien tous les jours comment il fonctionne. S'ils avaient la preuve d'une victime précise mort à cause de la change, on l'aurait partout sur les écrans. C'est-à-dire qu'ils n'hésiteraient pas à en faire des tonnes. Et s'il y en avait 10, encore plus. Donc moi, je pense qu'ils n'ont aucune preuve que quelqu'un est mort à cause de lui. Mais nous, ce qu'on est sûr, et ça on en a la preuve, c'est que des gens sont morts à cause de l'armée américaine. Et ça a été révélé par Wikileaks. Et ça, on en est sûr. Un journaliste, des civils en Irak. On les entend parler, oh, allez, viens, on les flingue. Oh, c'est cool. Et il y a eu d'autres révélations, mais celle-là, on va dire, elle est emblématique. Bon, ben voilà, donc, il dénonce des crimes, ça, on en est sûr. Qu'il y a eu des morts à cause de lui, on n'en est pas du tout sûr. Je suis même presque sûr qu'il n'y en a pas eu.
Et c'est lui qui est enfermé et il va sûrement mourir en prison, quoi. C'est vraiment, bah, ça symbolise le sujet. C'est-à-dire à quel point un État est prêt à écraser quelqu'un au nom de cacher ses secrets, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui révèle des secrets avant la levée de la déclassification, qui prend des risques énormes. Bon, vous avez enquêté et révélé et remis au jour des affaires assez incroyables, mais qui ont 40, 50 ans d'ancienneté, bon, pour lesquelles les conséquences sont moindres aujourd'hui. Vous risquez sûrement moins. On peut prendre un bon exemple. Pardon de vous couper. Disclose. Nouveau média monté il y a à peu près 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est fait connaître en publiant des notes classifiées, donc un délit, et qui vient de remettre le couvert il y a un mois à peu près. Donc première fois, ils le font sur les armes vendues en Arabie Saoudite contre le Yémen, des armes françaises, et notamment des bateaux français qui vont les aider pour faire un blocus de la famine. Voilà, on fabrique la famine au Yémen avec des bateaux français notamment. Donc ça c'est dingue, ils se sont fait connaître là-dessus. Convocation à la DGSI, 2-3 heures, on veut savoir qui est votre source, ça s'arrête là. C'est pas encore très méchant. En France, on a quand même une liberté de la presse qui nous protège un peu. On n'est pas dans certains pays où ils seraient déjà dans un cachot. Honnêtement, là, ils ont fait 3 heures, quoi. 3 heures d'interrogatoire, c'est pas bien de vouloir se connaître la source, mais en même temps, 3 heures pour avoir divulgué des documents classifiés, ça va encore, quoi. Il y a pire. Ça, c'est le bon côté de la chose. Là, ils viennent de remettre ça avec l'Égypte. Donc des choses que la France a vendues à l'Égypte, mais en même temps ils disent que c'est l'Égypte qui a détourné les choses, mais bon, voilà, bon, c'est compliqué comme dossier. Ils ont de nouveau publié, je sais pas combien de notes classifiées et tout ça. Bon, là il y a une plainte qui est en cours contre eux. Donc là c'est un cas concret, voilà, c'est actuel, c'est différent de moi qui attaque la théorie, qui fait un espèce de glossaire, bah, le livre noir c'est le côté glossaire, de réunir des grandes affaires, des moins connues, et des entretiens qui éclairent. C'est d'autres démarches. Un cas précis, actuel, on sort la note. C'est complémentaire, je trouve. C'est-à-dire que là, les gens peuvent comprendre le sujet en profondeur, ça. Eux, on attaque un truc précis. Le problème, c'est que ça a ses limites, parce que, déjà, d'une, ils peuvent finir mal à la fin. Je ne sais pas ce qui va leur arriver, on va voir. Mais ils sont bien protégés, normalement, mais ils prennent quand même un risque. S'ils allaient trop loin en faisant ça sur d'autres dossiers et tout, ils finiraient mal, je pense quand même. C'est-à-dire ? Que risque un journaliste en France ? C'est dur à dire, c'est dur à dire. Assange, on a appris qu'ils ont voulu l'assassiner. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ils avaient des plans pour l'assassiner. C'est qui, ils ? Les Américains, pardon. Ouais, ça paraissait tellement évident. Bon, voilà, c'est sorti. Ça prouve qu'un État est... Alors voilà, belle transition si je peux. Ça me fait penser à l'affaire JPK. C'est pas la plus connue, j'en ai déjà parlé un peu chez un confrère, mais pas beaucoup. Et donc, c'est très bien de revenir dessus un instant. C'est le seul journaliste de la liste qui a été tué et, au nom du secret défense. Enfin, au nom. En tout cas, c'est classifié, secret défense. JPK, Jean-Pascal Courreau, était un journaliste en Polynésie française qui enquêtait notamment, il était à fond sur Gaston Flosse, le pote de Jacques Chirac, qui gérait la Polynésie française. De journaliste à, je crois, rédacteur en chef, a ensuite boycotté parce que trop impliqué, il se met en politique, il continue ses enquêtes. Et le journaliste, mais tout seul, en fait, il fait de la politique. Il était vraiment un lanceur d'alerte, un citoyen engagé à fond et tout. Et il y avait beaucoup de dossiers chauds en Polynésie française, entre le nucléaire, qui est quand même un énorme dossier, mais... Ouais, les essais nucléaires, la recherche, le labo du CEA là-bas sur le nucléaire, il y avait des dossiers chauds, il n'y avait pas que ça, mais déjà ça. Et il était noyé, ils disent que c'est un suicide, mais il y a du secret défense. Donc une fois de plus, ils vont nous dire que le secret défense c'est autre chose, ils n'ont pas d'argument. Mais non, c'est un aveu, il était noyé, et on sait plus ou moins qui, on a... Alors l'affaire elle est compliquée, il y a eu des fois, il arrive dans certaines affaires, il y a des petites frappes qui sont arrêtées, des fois même jugées, des fois même emprisonnées, ça arrive. Des fusibles ? Bah des fois c'est eux qui ont fait, donc c'est important, mais le problème c'est quand même celui qui donne l'ordre, on aimerait qu'il soit arrêté, ou jugé au moins, et ça c'est quasiment jamais. Ça le problème c'est que c'est déjà bien si c'est celui qui a noyé, c'est bien déjà qu'il soit jugé bien sûr, mais on veut savoir qui a donné l'ordre. Donc là il se trouve que les services secrets polynésiens venaient d'être installés par la DGSE. Puisque c'est français, ils n'avaient pas de... Donc on a fait un petit service, ils venaient. Et bon, bah, y en a un qui est arrêté, un autre qui dit que c'est pas lui, un autre... Mais en gros, on a des débuts, on sait un peu qui c'est, on n'a pas toute la vérité, mais on a déjà beaucoup. Et on sait qu'il y a toujours le secret défense, et alors que ça fait déjà
25 ans, voilà, autour de 25 ans. Au début, je retenais tout. Puis à force, maintenant, je n'ai pas tout en tête. On peut donc se poser la question de comment un journaliste peut exercer son métier, comment il peut enquêter dans cette société où il y a le secret défense, en plus cet exemple-là qui fait froid dans le dos. Il y a qu'un journaliste français sur un territoire français qui du coup est assassiné, s'il va trop loin. Est-ce que vous pensez que ça laisse beaucoup de place à l'enquête lorsque les affaires sont en cours? Après des décennies, on peut imaginer que les décideurs, les gens impliqués ne sont plus au pouvoir. Mais quand les affaires se déroulent, est-ce qu'on a la possibilité d'enquêter et est-ce qu'on peut le faire de manière sécurisée? Ça dépend sur quoi. Il y a des sujets où c'est très, très chaud, très sensible. Les plus chauds, ce seront quels sujets? Je ne sais pas, je connais quelqu'un qui a enquêté sur les opérations clandestines en Syrie, et françaises, mais américaines aussi, et puis des fois aussi les mensonges qu'il y a eu, sur des fois on accusait Bachar, c'était pas vraiment lui, parce qu'on a d'abord manipulé l'opinion contre Bachar, ensuite bon c'était Daesh, mais des fois on a distribué des armes à des groupes terroristes, parce qu'on se disait c'est bon, ils sont contre Bachar, allez on leur balance des armes, il y a eu plein de trucs qui sentent mauvais. Et lui, il a eu un petit coup de pression un jour dans un festival, aussi des gens qui harcèlent sur Twitter et tout. Enfin, ça, c'est une chose. Après, ceux qui risquent vraiment leur vie, aujourd'hui, le plus dangereux, ce serait les enquêtes sur la mafia. Là, on peut se faire buter. Hein. Il y a eu encore en Sicile, je sais pas son nom, désolé pour elle, mais projet Daphné, elle a été tuée par la mafia, il y avait un lien en plus avec le gouvernement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à Malte plutôt. Non, aujourd'hui, la mafia, le grand banditisme et tout ça, ça peut être le plus dangereux. Un État, ça dépend des États. Il y a des États, on est enfermé en deux secondes. Je ne sais pas si tout ce qu'on dit sur la Chine est vrai, mais je pense qu'on est facilement enfermé en Chine. En Russie, je pense qu'il ne faut pas rigoler non plus, ça dépend ce qu'on fait. Je pense qu'il faut faire gaffe. Et il y a beaucoup de pays en fait où c'est chaud. Après, il y a des pays qui se disent plus démocratiques. Et effectivement, on a le bon côté, voilà, disclose qui fait que 3 heures, et puis hop, on les laisse repartir alors qu'ils viennent de divulguer des trucs de faux. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a une liberté de la presse, c'est vrai, on est protégé un peu, mais ça a une limite. Aujourd'hui, contre Bolloré, très compliqué. Aujourd'hui, contre des groupes puissants, peut être très compliqué. Je pense que quelqu'un qui s'attaquerait à des groupes, même pharma, on peut tomber dessus en 2 secondes, je pense. Maintenant, pas forcément physiquement. Voilà, physiquement, c'est vraiment ceux qui enquêtent sur la mafia ou sur les bandits. Mais on peut le détruire socialement. Les époques changent, on va dire. Il y a des époques où même s'intéresser à l'État, on pouvait mettre notre vie en jeu, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, on évolue. JPK, je ne sais pas si ça pourrait arriver aujourd'hui. Mais je dirais, ça n'arrivera plus aujourd'hui, le jour où ils auront déclassifié cette affaire. Tant que ça n'est pas déclassifié, potentiellement, on peut dire, ouais, c'est vrai, on ne sait jamais. Maintenant, il y a quand même des fois des méthodes qui changent avec le temps. On peut peut-être dire que sur 2-3 trucs, on a gagné un peu en éthique, mais bon, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Est-ce que sur votre ouvrage, vous avez vous-même reçu des menaces quand vous l'avez préparé, quand vous avez enquêté? J'ai eu un appel de la police un matin, au début de l'enquête, qui voulait avoir un accès à un article d'un média dans lequel j'étais. J'ai dit, j'y suis plus. Sans se présenter, sans dire le nom du service, sans dire le nom de la personne, juste en disant police nationale. Après, elle me demande, mais vous faites quoi maintenant? Je dis, je suis en indépendant, pourquoi? Oh, comme ça. Et moi, je dis, mais vous avez eu mon numéro. Enfin, bon, voilà, et ça s'arrête là. Je pense. Non, après, pour le moment, ça va. Et des confrères, vos confrères, peut-être, que vous avez entendu des menaces? Olivier Maurice, un des avocats les plus importants de France, qui est du coup l'avocat de plusieurs affaires du livre, puisque souvent, c'est des grandes affaires d'État, où il est, pas que, mais voilà, il est notamment, comme William Bourdon, un peu. Lui, il m'a dit que dans l'affaire Karachi, il avait des documents classifiés, etc., et qu'il avait été menacé, on l'avait mis en garde, attention pour ta vie, tout ça. Il le dit dans l'entretien. Donc, un avocat super en place et tout, voilà, pour encore affaire armement, potentiel rétrocommission, potentiel. On en revient toujours à rétrocommission, armement, menace, machin. C'est méthode mafieuse.
Et voilà, peut-être qu'ils ont moins lieu encore maintenant qu'avant, mais on ne sait pas toujours quoi. Non, j'ai pas eu de menace. Vous, dans votre livre, vous citez Alain Juillet, qui est l'ancien directeur de la DGSE et spécialiste de l'espionnage économique, et François Chauvency, ancien général de brigade. Vous dites qu'ils vous ont apporté leur éclairage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quel ordre, comment ils se sont impliqués, comment ils vous ont aidé dans cette... Alors, bon, ils ont des entretiens dans le livre. L'entretien avec Alain Juillet, ben, on va dire que c'est assez drôle, parce que dès le départ, il essaie de me dire, par exemple, première phrase, dans un couple, si vous dites tout à l'autre, ça ne dure pas une semaine. Pour parler du secret défense, c'est l'exemple qu'il donne. Voilà, en gros, la transparence, c'est pas possible. Et en gros, il sous-entend qu'un État, c'est pareil, on ne peut pas tout dire, sinon c'est mort. Dans ma tête, j'hallucine que lui, il me sorte ça comme exemple. Et puis, c'était un peu tout l'entretien comme ça. Donc, il y a des entretiens très intéressants, d'autres plus, pas drôles, hein, entre guillemets, mais hallucinants, parce que, ben voilà, on voit qu'il se balade à droite, à gauche, qu'il ne veut pas répondre. Donc, je l'ai mis aussi, parce que c'est intéressant de voir celui qui ne veut pas répondre. Alain Juillet n'a pas voulu répondre beaucoup. Donc, c'est drôle, hein, parce que moi, j'étais allé le voir parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, souvent dans les entretiens, j'entendais de lui. Moi, il m'a dit transparence, transparence, attention, mortelle transparence. Il me sort l'exemple de Action Directe. Il dit Action Directe, on les a localisés grâce à un indice qu'on a là, machin. Et un journaliste, il décrit trop qui l'indique. Il croit qu'il donne pas son nom, c'est bon, mais en fait, il décrit sa profession, son truc, il n'y en a qu'un, hop, le mec se fait zigouiller. En fait, je lui parle de dérive du secret défense. Et plusieurs fois, j'ai dû dire, mais on n'est pas dans le sujet. Plusieurs fois, on n'est pas dans le sujet. Et là, donc, il essaye de montrer, regardez, la transparence, c'est des morts. Regardez Wikileaks, en gros, c'est la même chose, c'est des morts. Et moi, j'essaie de lui dire, non, mais regardez. Et là, en fait, il va à droite, à gauche, il me dit, ah, mais des fois, moi, je savais des choses, et c'était dur, je ne pouvais pas tout dire. C'est drôle, en fait. C'est l'ancien directeur de la DGSE, quand même. Hein. Il défend un petit peu son... Ce Oui, des microcosme. fois, là, voilà, on va dire, il défend le secret, ça résume bien. Non, général Chauvency, c'est plus intéressant, Vous parce pouvez que nous redire rapidement? le général Chauvency, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un franc-parler et qu'il rentre dans le détail, non pas de chaque affaire, ça j'aurais pu le faire plus, mais je voulais aussi beaucoup de théories, beaucoup de pas de côté, je voulais pas que tout le monde dise la même chose un peu, donc. Mais sur l'esprit du secret, lui, il va au fond. Oh, lui, il va au fond, il nous donne l'esprit, tac, tac. L'esprit du secret, c'est en gros, c'est nous. C'est à nous de gérer la guerre. Ça ne vous regarde pas. Si mon pays rentre en guerre, ça ne me regarde pas en tant que citoyen français? Non. Et là, il répond, non. Non, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est l'esprit du secret. En gros, il dirige. Donc, en gros, ça soit diriger la France, ou là, ça soit diriger une guerre. Et nous, ça ne nous regarde pas. Et ni les parlementaires censés nous représenter. Et lui, il rentre un peu en détail là-dedans, il explique un peu les rapports entre l'armée, l'État, la trahison à l'époque de Gaulle, tout ça. Bon, parce que lui, voilà, en tant que militaire, ils ont ressenti tout ça comme ça, et que depuis ça a changé. Je dis, pourquoi vous êtes si maltraité alors que l'État a autant besoin de vous pour le protéger en cas de... Et puis il répond à ça. Donc c'est assez intéressant, il y a des aspects comme ça un peu différents. Après, sur le secret, la plupart du temps, il va le défendre, mais des fois, il va accepter, comme par exemple, je lui parle des Kurdes. Ah, mais oui, j'en ai pas beaucoup parlé. Il y a quelques années, il y a eu trois Kurdes, des dirigeantes du mouvement kurde, qui étaient en France. Il y a le centre du Kurdistan à Paris 6, je dis pas de bêtises. Et devant ce centre, ou dans le centre, les trois Kurdes ont été abattus. On pense que. C'est Erdogan, la Turquie, qui a fait abattre parce qu'ils sont en conflit avec les Kurdes, parce qu'il y a une guerre de territoire, parce qu'ils les appellent terroristes alors que c'est une autre ethnie. Enfin bon, voilà. Et sur cette affaire-là, il dit ça c'est grave, ça ne serait pas arrivé aux États-Unis, eux c'est encore un pays souverain. Voilà, nous on peut venir abattre des gens chez nous, en gros. Donc il reconnaît. Que dans notre pays, on peut venir abattre des gens, un pays ennemi. Moi, ça m'a interpellé. C'est un autre aspect. On n'est plus vraiment là sur le problème du secret défense. Hein. On est un problème de souveraineté. Pourquoi on peut venir abattre des gens chez nous? Il avait l'air de dire qu'on n'était plus souverain. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Sinon,
Sinon, il y en a certains, mais il y en a d'autres. En fait, j'ai voulu donner une place à quelques personnes qui défendent le secret. Il y en a d'autres qui le balancent. Il y a des familles des victimes, il y a des avocats qui vont dire que ce n'est pas l'état de droit. Il y a des archivistes, il y a toutes sortes de... Il y a un ancien du renseignement, etc. Je voulais qu'il y ait quelques personnes qui défendent le secret pour qu'on ait leurs arguments et tout ça. Donc mais le général Chauvency le défend un petit peu globalement aussi. Ce que j'étais content, j'ai eu un débat sur RFI il y a quelques jours, et c'était avec Jean-Dominique Merchet, notamment. Et lui, il est spécialiste des questions de défense. Il a un blog qui s'appelle Secret Défense, et il est un peu une référence. Et il était d'accord avec moi, j'étais étonné quand j'ai dit est-ce qu'ils sont complices de ne pas déclassifier, est-ce qu'ils sont complices du crime qui a été fait par le passé. Ah, il dit oui, complètement et tout, alors que je le voyais plus, je croyais qu'il allait peut-être défendre plus l'armée. C'est vrai que là, c'est pas l'armée, c'est plus le politique. Et du coup, il était d'accord avec moi qu'il y a une complicité. Mais souvent, ils défendent le secret, sinon, c'est sûr. Ils sont habilités à... Ils sont plutôt habitués, je veux dire, à respecter la hiérarchie. Quelqu'un qui serait contre le secret ne serait pas habilité pour aller... Parce que sinon, il va balancer des secrets. S'il est contre, c'est parce qu'il trouve que lui, il est pour l'éthique avant tout. On ne va pas l'habiliter, tout court. Donc en fait, pour accéder au truc, il faut être d'accord avec les règles. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec la démocratie, tout ce processus de secret ? Moi, je ne sais plus trop ce qu'on appelle démocratie. Mais on va dire que... Aujourd'hui, ceux qui se disent démocratie, en tout cas, font tous ça. Les Américains font ça puissance 10, même si on peut trouver deux, trois petits trucs bien mieux, je veux dire, sur ce sujet, mais globalement, ils font bien pire que nous. Et ils se disent la plus grande démocratie du monde. Donc, en fait, en Chine, ils n'ont peut-être pas besoin de secret, parce que c'est tellement... tout est secret, limite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas... C'est dur de juger, de comparer entre une dictature, soi-disant, une démocratie. Moi, en tout cas, je pense, entre moi, ce que j'aspire et beaucoup de gens, une vraie justice, une vraie démocratie, un vrai État qui dirait la vérité la plupart du temps, pas de temps en temps. Non, tout ça n'est pas compatible. Non. Ni le Conseil de défense en secret, ni toutes ces affaires, ni 8 gouvernements après, ils n'ont toujours pas déclassifié. Donc, on peut en déduire que tous sont complices, tous ensemble. Hein. On peut penser à tous les gouvernements qui sont passés. Les affaires qui ont 50 ans, pas déclassifiées. Ils sont tous complices pour moi. Eux, ils vont dire on suit la règle, c'est 50 ans. Est-ce qu'un nouveau président qui arrive avec un nouvel gouvernement ont forcément accès à toutes ces informations ? Non. Comme je disais, un président, il vient pas, il lève pas comme ça. Tout est bien sécurisé. Ça veut dire que on a le président classique. Qui arrive, et ben lui, non, il n'a pas accès du tout à grand-chose. Et il y en a le président rebelle. Le président rebelle, c'est celui qui aura annoncé, par exemple, qu'il va réécrire la Constitution. Là, effectivement, si on réécrit tout, on peut faire un grand coup de ménage, lever tout d'un coup, repartir à zéro, en disant le secret, maintenant, pourquoi pas, il existe toujours, mais seulement sur tel cas précis, machin. Il faudrait, l'utopie, un peu, on peut imaginer, oui, réécrire tout ça. Ce serait une des solutions de pouvoir retravailler ça dans la Constitution ? Ah ben, je pense que ça passe par là, vu que... Ah, est-ce qu'on peut le faire sans réécrire ? Après, c'est des détails techniques. Ce qui est sûr, c'est que l'intention d'un président qui voudrait changer le système, ça passe par la Constitution. Pour dire, on ne sera pas, nous, à 10 dans une pièce, comme le Conseil de défense ou comme on décide la guerre en Libye, pareil, à 10 dans une pièce. Ça, pour le changer, c'est la Constitution. Ouais. Et le secret, donc ça va un peu avec. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait changer le secret ? Je pense que... Il faudrait quand même changer. Ils sont tellement tous habitués à ce système. Tous. Il faudrait, pas un coup de balai, mais il faudrait repartir à zéro sur un nouveau truc. Donc je pense, constitutionnel, je pense qu'il faut passer par là, à mon avis. Pour finir, par rapport à ces 4 ans d'enquête que vous avez consacrés pour rédiger cet ouvrage, est-ce que ça vous a transformé, est-ce que ça vous a changé intérieurement d'avoir fait tout ce travail ? Oui, forcément. Maintenant, deux points. Est-ce que je crois plus, est-ce que j'ai perdu mes espoirs, mes illusions avec le livre ? Non, je les avais déjà quand même perdus avant pas mal. Maintenant, effectivement, pour les gens qui s'intéressent de près, que ce soit lire ce livre, faire ce livre ou suivre l'actualité de près, il y a un moment où on perd confiance quand on voit toutes les affaires, si on suit de près... Toutes les affaires de corruption, affaires militaires, affaires les mensonges, les magouilles. Là, ils ont retrouvé des traces de cocaïne. Ils ont testé 12 lieux sur le Parlement britannique. Sur 12, 11, il y avait de la coke.
tous les jours, il y en a une, quoi. Tous les jours, il y a un truc. Hier, ils faisaient du dérapage, là. Ils s'amusaient à faire du dérapage, les militaires. Du dérapage dans un camp en Bretagne, je ne sais plus. Tous les jours, il y a un truc, des fois un petit truc anodin, des fois un énorme truc. Ce livre, je pense qu'effectivement, on sort plombé. Quelqu'un qui ne serait pas du tout là-dedans et qui lirait le livre, je pense que ça perturbe. Parce que quelqu'un qui ne ferait pas du tout les affaires et qui se jetterait d'un coup là-dedans, il se demanderait où si c'est vrai. Mais bon, il y a les sources et tout pour vérifier. Il y a les liens des documentaires, des livres, quand il y a eu un gros livre et tout. Ou alors, effectivement, bah, ça peut plomber un peu dans la confiance. Ça peut faire qu'on vote plus, ça peut faire qu'on n'a plus confiance dans la parole publique. Moi, j'avais déjà plus confiance sur certaines choses. Je sais, quand ils nous parlent sur le militaire, voilà, ils mentent tout le temps, les ventes d'armes, les trucs. Après, sur le reste, j'essayais de me dire, bon, allez, il faut quand même que tu crois certains trucs, sinon, si tout est faux. Mais effectivement, ils mentent tout le temps et c'est énervant, même quand c'est pas des grands mensonges. Il y a plusieurs manières de mentir. Ils jouent sur les chiffres, ils jouent sur l'idéologique, sur les sentiments des gens, sur la peur des gens. Mais ça, c'est trop. Ils jouent trop avec les gens. Ils mentent trop et ils jouent trop avec les gens. Ouais. Ça m'aura enfoncé un peu plus dans ma désillusion de croire en eux et en tout ça. Voilà, je me dis pas que tout est noir, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Est-ce que sur ces affaires, il y en a certaines d'entre elles qui peuvent finir à la Cour pénale internationale ? Il y a deux choses qui me viennent. La CPI, déjà, elle dysfonctionne. Ça a été bien documenté. C'est un début de, pourquoi pas, je trouve. Il faut absolument une Cour internationale qui juge. Malheureusement, elle juge que les dictateurs africains jusque-là. Voilà. Elle n'ira pas juger Colin Powell ou Bush ou je ne sais qui. Il y a eu des bouquins là-dessus, il y a eu des enquêtes qui prouvent qu'elle dysfonctionne. Donc oui, si elle fonctionnait bien. Sinon, il y a un truc à jouer peut-être en Cour européenne, parce qu'il y a une zone grise. Normalement, l'Europe nous dit à peu près tout ce qu'on doit faire, en tout cas au niveau des normes, des droits, parce qu'on essaie d'aligner, ben, c'est le principe de l'Europe. Hein. Bon, après, certains aiment, d'autres détestent, voilà. Mais sur la sécurité, on est souverain. Mais sur la presse, on dépend de l'Europe. Donc, quand s'affrontent presse et défense, comme bon, l'affaire Disclose, ou moi, si un jour, je sais pas, si j'ai fait une diffamation, qu'un jour on me tombe dessus, ou je sais pas quoi, surtout Disclose, par exemple, il y a quelque chose à jouer en Cour européenne, je pense. Il y a une zone grise, il pourrait nous donner raison. Olivier Maurice, il a râlé sur un dossier de raison d'État. On lui a dit, reste à ta place, je ne sais plus tout le détail, je n'ai pas tout en tête, mais il est allé en Cour européenne, il a gagné le droit à critiquer la raison d'État et le secret défense et tout. Donc déjà, c'était un petit pas en avant. Je pense qu'en Cour européenne, il y a des choses à faire au niveau de la justice française, parce qu'ils disent qu'on est souverain, mais au final, s'il était prouvé que ça n'a pas respecté la liberté de la presse, peu importe qu'au niveau de la sécurité, on était souverain, il peut qu'on fasse condamner l'État sur certaines choses. Non, il y a des choses à faire, je pense. Ouais. Pascal Jouary, merci beaucoup pour cet entretien. On rappelle votre ouvrage, Secret Défense, le livre noir, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État, sorti aux éditions Max Milo. C'est une véritable référence en la matière. On invite vraiment tous nos lecteurs et tous nos internautes à se le procurer pour ceux qui ont un petit peu le goût de plonger dans les affaires et d'État et de découvrir un peu l'envers du décor dans lequel on est. Merci de votre invitation. À bientôt. À bientôt.